Bonsoir, bonsoir de nouveau sur TV et Radio de Vie. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta fidélité. Merci pour euh, cette émission et ses frères et sœurs, nos frères et sœurs qui sont connectés ce soir. Nous voulons te bénir pour ta fidélité, Père, envers nous. Au en nom de Yeshua, nous te prions. Amen. Bonsoir. bonsoir. Alors, euh, qu'est-ce que se passe? Tu peux parler le micro près de la bouche pour nous dire un peu, dire aux frères et sœurs pourquoi tu es là. Qu'est-ce que se passe? Euh, bonsoir tout le monde. Je suis venue à récupérer ma BGC parce que euh, j'ai foi en Dieu. Mmh, tu as foi en Dieu que oui. Que j'aurai ma BGC. Tu en as déjà une J'en ai une, mais euh, c'est celle-ci que le Seigneur va me donner aujourd'hui. Ah bon Donc j'espère en lui et euh, je crois en sa parole. Tu es prête à répondre à une question qui te sera posée Je suis prête à répondre à la question. Et si je n'ai pas la réponse, bah, je dormirai ici et j'aurai ma BJC. Ah bon Pourquoi tu veux dormir ici Personne ne dort ici. Il fait. Ah bon? J'aurais ma tu baptisée sans... Je suis baptisé. Tu, tu aimes le Seigneur? J'aime le Seigneur par sa grâce. Amen. Quel âge as-tu? J'ai 24 ans. 24 ans. Et tu veux toujours suivre le Seigneur jusqu'au bout, tout ça? Toujours, 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 par Leur sa grâce. Gloire à Dieu. Alors, on va te poser une question. Comme mm -hmm. elle est venue, donc on s'est dit, bon, ben, elle est violente, hein, et, pas de souci. Bon, ben elle a dit qu'elle n'allait pas partir. Bon, okay, on va <laughs> te poser une question. Alors, euh, dis-moi. Combien de jours Jésus a-t-il jeûné 40 jours. 40 jours Tu es sûr Oui. C'est écrit où euh, Dans la Bible. Oui Dans quel livre <laughs> Dans toutes les Bibles. Oui mais dans quel livre Dans quel livre euh... Ok, tu as, tu, as, tu as bien répondu, mais je te repose une, une deuxième, deuxième question. Okay. Parce que ceux qui voudront venir sur place pour faire comme toi, ils vont, ils sauront qu'il y a plusieurs questions parce que là c'est particulier. <laughs> voilà. Ok. Donc une deuxième question et euh, et euh, tu peux nous dire quand le Seigneur a, quand Satan a tenté le Seigneur, qu'est-ce qu'il lui a proposé Qu'est-ce qu'il lui a dit Qu'est-ce que Satan disait à Jésus lors de la tentation dans le désert Juste une seule tentation. il y en avait Si tu m'adores, mmh. je te donnerai le monde entier. D'accord. Oh <laughs> Merci, Jésus Yes Gloire yes à Dieu. Donc, tu peux partir avec ta BGC. Bon. Que Dieu soit béni. Donc, que Dieu soit béni. <laughs> Qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes comme toi bah, Gardez la foi mmh. et euh, fortifiez-vous en Jésus. Confiez-vous en lui et persévérez même si les épreuves sont là. Gardez les yeux fixés sur lui parce qu'il est fidèle dans les épreuves ou dans. ou peu importe, qu'il y ait des épreuves ou pas, okay. Jésus au contrôle. Et qui est ton pasteur C'est Jésus. Qui est ton Dieu C'est Jésus. Tu vas dans une assemblée ou tu pries sans tu le Seigneur Je prie à la maison et euh, je me laisse conduire par le Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu soit que béni. Que Dieu te garde. Bon courage. Que Dieu vous garde aussi. Voilà, mes amis. Gloire à Dieu, donc que Dieu soit béni. Alors euh, non, mais tu as eu foi. Reviens, reviens. Tu as eu foi, donc et, euh, on ne peut qu'honorer ta foi. Oui. En plus, Dieu m'a donné un passage tout à l'heure. Quel est le passage que Dieu <laughs> t'a donné? Dans, dans le passage en fait du mendiant. Mm -hmm. Et il euh, y avait la foule et la foule en fait euh, l'empêchait en fait d'accéder à Jésus. Mm -hmm. Et euh, <laughs> je vous ai mis euh, en tant que foule en fait. Mm -hmm. Ben non, nous, nous on, a, on veut honorer la foi de tout le monde. Oui, non, Là. mais pas méchamment, mais en fait, dans le sens où c'était une image, en fait. Ok. Et euh, ensuite, le Seigneur lui-même, il disait à la foule amenez-le-moi, en fait. D'accord. Donc, le Seigneur vous a dit amenez-lui la Bible. Que Dieu soit ben, béni. <laughs> ben, que Dieu soit béni. <laughs> ceux qui veulent venir comme ça, ben, il faut qu'ils sachent qu'il y aura plusieurs questions. Ils vont passer mmh. par les questions-réponses pour permettre à tout le monde d'avoir exemplaire parce qu'en fait, comme tu sais, il n'y en a pas beaucoup. Oui, si je comprends tout à et fait. Et il y a beaucoup de gens dans le monde entier qui oui. n'ont pas reçu un, oui. un seul exemplaire. Mm -hmm. Nous avons par exemple des frères qui nous appellent depuis l'Afrique du Sud, oui. qui nous disent Ben, Nous, ici, on n'a rien reçu. Ni vrai. la première version, ni la deuxième, ni la, 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 la troisième. Oui. Donc, c'est pour cela qu'on a on fait en sorte que ceux oui. qui sont au loin oui. puissent aussi en profiter. Ok, d'accord. Voilà. Donc, je comprends tout à fait. Bénis. En tout cas, que Dieu vous bénisse Bonne tous et qu'il me bénisse également. Merci. Alléluia. Alors gloire à Dieu. Voilà, mes amis. Gloire à Dieu. Ah ben, c'est une jeune sœur que nous connaissons depuis quelque temps et qui a une grande foi. Et ben, que Dieu soit béni. Donc, elle a eu confiance en son Dieu. Et puis, euh, là voilà, c'est beau, c'est beau l'œuvre que le Seigneur fait. Donc, nous voulons, bien sûr, échanger avec vous sur la fin de temps, ou encore précisément sur les temps des nations. Et, euh, mais juste... Euh, et, euh, quelques minutes, hein, parce que voilà, il y a pas mal de choses que nous voulons euh, vous montrer ce soir. Et euh, donc, je vais rester... Euh, un peu debout, euh, pardon, je vais rester un peu debout. Je vais rester debout pour euh, voilà. me sentir plus à l'aise. Hein, donc, euh, ça ne choque pas. L'équipe technique, je suis debout, c'est bon Parfait. Que Dieu soit béni. Donc, et, euh, on va prendre le passage qu'on a pris hier, c'est-à-dire euh, 1 Chronique 12, 32. 1 Chronique 12, 32. Donc, on va euh, lire ce passage-là. Merci Seigneur. 1 Chronique 12, 32 Des fils d'Issachar, fort intelligents, dans la connaissance des temps, pour savoir ce que devait faire Israël. 200 de leurs chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Donc, ça, bien sûr, comme on l'a vu hier, il était question, euh, ce chapitre ici, le chapitre 12 de 1 Chronique nous parle et, euh, euh, des, des personnes, hein, les guerriers qui, qui étaient venus auprès de David pour être avec lui, pour lui transférer la royauté. Parce qu'il devait, bien sûr, euh, euh, être établi roi, ou un roi reconnu roi. Et, euh, et il avait besoin de toutes ces personnes, bien sûr, autour de lui. Pour pouvoir gouverner. Et euh, donc il y a eu bien sûr des hommes de toutes les tribus. Et, euh, et on nous dit que les enfants d'Issachar connaissaient, hein, euh, ils avaient la connaissance sur euh, euh, le temps. Euh, voilà, donc ils connaissaient bien sûr les saisons, le temps, le temps de Dieu, le temps des hommes, tout ça. Et David avait besoin de personnes comme ces enfants-là, comme ces, ces hommes auprès de lui pour pouvoir gouverner. Et comme on l'a vu hier, et, euh, la connaissance, le discernement par rapport au temps, euh, au temps de Dieu notamment, est n'est-ce pas indispensable au salut. Rappelez-vous bien que et, euh, à l'époque de Noé, n'est-ce pas Noé avait saisi la saison, il avait saisi le temps dans lequel il était, et il a su, n'est-ce pas Il a pu construire une arche parce qu'il avait saisi le temps de Dieu. Donc, pour réussir sa marche chrétienne, sa vie chrétienne, et il faut saisir le temps. Il y a le temps de Dieu, il y a aussi le temps des hommes. Hier, on a vu qu'il y avait le temps des hommes, c'est-à-dire quand un, un enfant est conçu, il lui faut à peu près neuf mois de gestation avant de pouvoir, n'est-ce pas, sortir du ventre, avant sa naissance. Neuf mois sont indispensables, sont nécessaires à la formation, n'est-ce pas, de l'embryon. Ça, c'est le temps des hommes. Et pour et, euh, cet enfant qui vient de naître, il lui faudrait à peu près 70 ans de durée de vie terrestre selon euh, Psaume 80, 90. Et pour les plus robustes et les plus forts, c'est à peu près 80 ans. Bien sûr, on peut mourir avant, tout comme euh, euh, après 70 ans ou 80 ans. Mais est-il que la durée d'une vie terrestre, selon les Écritures, est de 70 ans Donc vous voyez, cela fait toujours partie du temps des hommes. Il y a aussi le temps de Dieu. Le temps de Dieu est un temps prophétique le temps de Dieu est le temps où Dieu va intervenir ouvertement dans les affaires humaines où Dieu va venir pour juger les nations pour guérir son peuple restaurer Israël tout ça et nous voulons ce soir vous montrer vous parler de ce temps-là le temps où Dieu va intervenir dans les affaires humaines alors il y a le temps où Dieu va intervenir bien sûr ouvertement dans les affaires des hommes il y a aussi les temps des nations donc que Dieu a confié aux nations donc c'est au pluriel bien sûr il y a plusieurs temps que Dieu a confié, donné aux nations pour qu'elles s'auto-dirigent, qu'elles s'auto-gèrent. Elles ont du mal malheureusement à s'auto-gérer. Et c'est pour cela que Dieu ne peut que intervenir. Nous sommes dans Luc chapitre 21. Luc chapitre 21. Et euh, il y a un enseignement très très fort. Que le Seigneur nous a donné ici, des, euh, il nous a donné des clés concernant justement la fin de temps. Nous sommes dans Luc chapitre 21 et comme vous le savez, les apôtres vont poser une question au Seigneur, à savoir euh, quand est-ce que le temple allait être détruit. Et également, euh, ils voulaient connaître le signe de son avènement et de la fin euh, du monde ou encore de l'achèvement de, de l'âge actuel. Et le Seigneur va donner plusieurs euh, éléments qui vont précéder son retour, plusieurs signes, hein, plusieurs choses, notamment euh, les guerres, tout ça, on verra les images, euh, tout ce qui est famine, euh, tremblement de terre, euh, euh, le dérèglement climatique, tout ça, le Seigneur avait annoncé toutes ces choses. Et il dit au verset 20, et quand vous verrez Jérusalem env environné par les armées, sachez alors que sa désolation est proche. Et il dit au verset... Et euh, au verset vingt 24 et ils tomberont sous le tranchant de l'épée et ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis donc voyez ici accomplir ici ce mot là grecque c'est remplir jusqu'au jusqu'au bord faire abonder remplir jusqu'au sommet ou encore à ras-bord. Donc, et euh, nous avons ici la notion de et, euh, du sablier, hein, donc euh, comme un sablier. Et euh, alors, je ne sais pas si euh, David peut nous trouver euh, une image d'un un sablier. Hein, donc, si c'est possible, hein, qu'on nous balance un peu ça. Et euh, voilà, le Seigneur parle de l'accomplissement du temps des nations. Hein, donc, ça veut dire que c'est comme euh, euh, quelque chose qui coule. Hein, comme du sable avec un sablier. Voilà, donc euh, nous avons une belle image ici. Et euh, voilà, donc on voit si on peut, je sais pas si c'est déjà en ligne. Hein, donc on peut déjà balancer ça. Voilà, c'est bon. Donc voilà un peu euh, l'image que l'on peut euh, donner, avoir, hein, pour euh, mieux expliquer l'accomplissement des temps des nations. Donc c'est comme un sablier, vous voyez le sable qui, qui s'écoule, hein, jusqu'à ce qu'en haut, il n'y ait plus rien. Et là, ben, Dieu va intervenir. Voilà. Donc, c'est pour cela que euh, beaucoup de chrétiens euh, ne comprennent pas. Ils se disent, mais même des païens, des païens qui nous disent, mais si Dieu existait, si Dieu existe, pourquoi permet-il autant de problèmes Pourquoi Dieu, n'est-ce pas, qui est votre Dieu, qui est soi-disant bon, juste Laisse-t-il euh, euh, autant de personnes méchantes faire du mal à d'autres, tout ça Pourquoi permet-il autant de famines, tout ça eh bien, il faudrait leur répondre, bien sûr, que Dieu, dans sa justice, a laissé aux, aux nations euh, un temps pour leur montrer qu'elles ne peuvent rien faire sans lui. Et ce temps-là, n'est-ce pas, vont, euh, 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 c'est au pluriel, ce temps-là, vont s'achever bientôt. Hein, c'est comme un sablier. Et tant que le sable qui est dans la partie en haut là n'est pas totalement fini, là, ben, Dieu ne peut pas intervenir. Il ne veut pas, pardon, parce qu'il peut intervenir, mais il ne veut pas. Parce qu'il est Dieu, il respecte son, son calendrier. Voilà. Donc, et euh, le Seigneur dit que Jérusalem sera foulée aux pieds jusqu'à ce que les temps des nations soient achevés. Voilà. Alors, maintenant, on sait que les nations ont un temps. Ont des temps que Dieu leur a confié. Maintenant, à quel moment ce temps euh, ont-ils commencé À quel moment Dieu a-t-il donné, a, 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 a donné aux nations ce temps-là Ça a commencé quand Alors, euh, et, euh, et précisément, ça a commencé euh, euh, en, à peu près, selon bien sûr euh, les historiens, ça a commencé au 7e siècle, avant Jésus-Christ. Euh, mais, euh, et il y a eu lors de la captivité babylonienne, Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, va assiéger Jérusalem. Il va y avoir une première déportation, nous sommes en 605 à peu près avant Jésus-Christ, c'est-à-dire au 7e siècle. Et en 687-86, entre 686 et 687, il y a eu justement une autre déportation. Où le temple fut euh, va être le temple de Jérusalem va être complètement détruit, incendié et c'est exactement au VIe siècle, c'est-à-dire en 586, 587, 586, n'est-ce pas C'est à cette période-là, donc en 587 ou 586 entre les deux, c'est à cette période-là, c'est-à-dire au VIe siècle que les temps des nations ont commencé. C'est-à-dire, euh, Jérusalem, n'est-ce pas, était détruite, La, le, le temple était détruit, complètement incendié, selon 2 Chroniques 24, n'est-ce pas? Et là, euh, 2 rois 24 également, 2 chroniques 24 rois 24, pardon. Et euh, là, on nous dit que eh ben, le, Dieu va envoyer, n'est-ce pas, le roi. Et euh, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui va arriver à Jérusalem, parce que les Hébreux, n'est-ce pas, s'étaient détournés de Yahweh, de la vérité. Dieu va les avertir pendant des années, et, euh, au travers du ministère, de l'appel de son serviteur, euh, euh, comment dire, Jérémie, et les Hébreux vont refuser de se repentir, de réformer leur voie, et Dieu va. N'est-ce pas Alors envoyer euh, le roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, selon 2 rois 24, qui va monter contre Joachim. Et Joachim, lui, fut assujetti, hein, asservi, assujetti, asservi pendant trois ans. Et on nous dit, et euh, plus loin, dans 2 rois et, euh, 25, n'est-ce pas, le septième jour du cinquième mois, c'était la neuvième année du roi. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, n'est-ce pas? Nebuzaradan, chef de garde, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Il brûla la maison de Yahweh. Vous vous rendez compte? Il brûla la maison de Yahweh, la maison royale et toutes les maisons de Jérusalem. Il brûla par le feu toutes les grandes maisons. Toute l'armée de Chaldéens qui était avec le chef des gardes démolit les murailles qui entouraient Jérusalem. Et Nebuzaradan, chef des gardes, emmena captifs le reste du peuple, ceux qui étaient restés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus au roi de Babylone et le reste de la multitude. Voilà. Donc, euh, et on dit au verset 13 Les Chaldéens brisèrent les colonnes des reins qui étaient dans la maison de Yahweh, les bases, la mer des reins qui étaient dans la maison de Yahweh, et ils en emportèrent les reins à Babylone. Voilà. Donc, ils vont, ils, ont, ils vont tout détruire. Ils vont brûler la maison de Yahweh. Et là, nous sommes, bien sûr, euh, entre 587 et 586. Donc, au 6 siècle avant Jésus-Christ. Et c'est là, quand Jérusalem a cessé d'être la ville de Yahweh, quand Jérusalem a cessé, n'est-ce pas, quand la Shekinah est partie, pré, pré, euh, effectivement, parce qu'on nous dit dans, dans Ézéchiel chapitre 11 que la gloire de Dieu, parce qu'Ézéchiel faisait partie des captifs, hein, donc euh, euh, qui étaient transportés de Jérusalem à Babylone. Et on nous dit dans Ézéchiel 11 que la gloire de Dieu avait quitté la ville de Jérusalem, quitté le temple. Et on le, on le voit dans Ézéchiel. Hein, la gloire de Dieu était partie. Il n'y avait plus Dieu dans le temple de Jérusalem. En fait. La présence de Dieu dans le temple de Jérusalem symbolisait, n'est-ce pas, la théocratie, représentait le gouvernement divin sur terre. Et Jérusalem, à l'époque, était la ville sainte, la ville du grand roi. Et à partir de cette ville-là, Dieu, n'est-ce pas, c'est comme si Dieu gérait le monde. Jérusalem était le centre de la terre. Parce qu'il y avait la shekinah de Dieu dans le temple, et à cause du péché, à cause des abominations commises par des rois euh, 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 hébreux tels que Manassé, qui a fait, qui a sacrifié son enfant à Moloch, qui a commis des, des, des choses terribles, eh bien, le temple était souillé selon Ézéchiel 8. Il y avait des figures d'animaux sur les murs du temple, des anciens adoraient d'autres divinités. Adorer notamment t'amuse les femmes pleuraient t'amuse les anciens d'Israël dans le temple, selon Ézéchiel 8, pleurer le, adorer le Dieu soleil. Et Dieu montre ces choses-là à Ézéchiel, son prophète. Et dans Ézéchiel chapitre, n'est-ce pas, 11, à cause de la, des abominations, à cause de la sueur dans le temple, eh bien, la Shekinah va quitter le temple, va quitter, n'est-ce pas, la ville de Jérusalem. Et là, Babylone est venue. Et. Cette nation a détruit le temple parce qu'il n'y avait plus la protection, parce que Dieu n'était plus en son sein, Dieu n'était plus à l'intérieur. Et il va Babylone va détruire le temple, et là Dieu n'était plus directement le roi d'Israël. Et là, les Juifs étaient devenus invulnérables. Et c'est à partir de là que les temps des nations ont commencé. C'est-à-dire, Jérusalem était par terre et c'était Babylone qui avait atteint son apogée. Il y a deux grandes villes dans les Écritures, dans le monde, selon Dieu. Il y a la Jérusalem et il y a la Babylone. Lorsque l'une d'elles était à son paroxysme, à son apogée, l'autre était détruite. Et ces deux villes n'étaient jamais là, côte à côte. Jamais. Il y en a une qui était forcément au-dessus de l'autre. Lorsque l'une était cassée, détruite, l'autre hein, était euh, 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 restaurée, rétablie, euh, 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 voilà, dans l'opulence. Et là, cette fois-ci, Jérusalem était par terre à cause du, du péché des prophètes, à cause du péché des prêtres, à cause du péché des chefs. Jérémie, qui était le prophète de Dieu, était maltraité, traité de tout le nom, jeté dans une citerne. Il y avait de la boue jusqu'à son cou. Et bien, Dieu va, n'est-ce pas, euh, euh, pendant 70 ans, il va envoyer cette nation à l'étranger. Et là, c'était le temps des nations. Le temps des nations, c'est le temps où Babylone, bien sûr, va gouverner, Babylone va régner. Et présentement, eh c'est le, le gouvernement mondial, c'est le gouvernement babylonien, que ce soit dans, euh, dans le monde, que dans la majorité de nos assemblées. Donc c'est Babylone qui règne actuellement. D'ailleurs, nous sommes bien sûr euh, euh, en train de vivre l'accomplissement de, de, de la parole d'Apocalypse 13, cette bête qui ressemble à la fois à un lion, à un léopard et à un ours. Vous voyez, c'est les trois grands empires, les trois grands empires qui ont les trois grands empires qui ont, qui ont, qui ont existé. Il y, a, il y a quatre bien sûr. Il y a la Babylone, il y a les Mèdes et les Perses, il y a les Grecs, pardon, donc le léopard et bien sûr il y a euh, les Romains. Donc ces quatre empires sont restaurés aujourd'hui. Et présentement, nous voyons que les temps des nations, mes amis, euh, arrivent presque à leur, à, 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 à leur terme. Et nous allons voir tout à l'heure que ces temps-là vont s'achever à la fin, vont s'achever avec la grande, euh, comment dire, la grande guerre. Hein, la guerre d'Armageddon. Voilà. Et euh, nous sommes. Et euh, vous avez compris que les temps des nations ont commencé avec. Euh, la destruction de Jérusalem au 6 siècle avant Jésus-Christ. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 11. Apocalypse 11. Qu'est-ce que les Écritures nous disent Il est dit. Excusez-moi. On me donna un roseau semblable à une verge et l'ange se présenta et me dit Lève-toi et mesure le temple de Dieu et l'autel et ceux qui y adorent, mais laisse de côté le parvis extérieur du temple et ne le mesure pas, car il est donné aux gentils, c'est-à-dire aux nations, et ils fouleront au pied la ville sainte pendant quarante deux mois. Waouh Donc on voit bien que euh, la ville sainte Jérusalem, comme je vous l'ai dit. Jérusalem, quand elle est, à chaque fois que Jérusalem était par terre, Babylone était à son apogée. Et quand Babylone tombait, Jérusalem était à son apogée. Donc, présentement, c'est Babylone qui a atteint son paroxysme. Babylone aujourd'hui, c'est le monde. Babylone signifie confusion par le mélange. Voilà pourquoi Apocalypse ah, pour 13 nous dit que cette bête était mélangée. Il y avait un peu de lion, Babylone, un peu, il y avait un lion, donc le mélange du lion, Babylone. De, du léopard, donc la, la Grèce et euh, euh, l'ours, c'est les, les Mèdes et les Perses. Et puis bien sûr, c'est Rome aussi, tout ça s'est mélangé et ça a donné bien sûr le monde. Voilà pourquoi actuellement, depuis quelques années, les frontières sont de plus en plus euh, enlevées, ôtées, au profit hein, d'un gouvernement mondial. D'où justement euh, cette. Euh, comment dire cette, euh, ces, ces masses euh, migratoires euh, qui se déplacent hein, de la Syrie, euh, du Moyen-Orient euh, vers l'Europe, de l'Afrique vers l'Europe. Donc on voit qu'il y, y a une convergence là des, 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 des nations hein, euh, vers le continent européen. Pourquoi Comme on vous l'a dit hier, parce que l'Europe va jouer un grand rôle, n'est-ce pas Joue déjà un grand rôle dans l'instauration du gouvernement mondial. L'Europe a donné au monde le gouvernement, euh, comment dire, le plus grand empire que le monde ait connu, c'est-à-dire la Rome impériale. Et l'Europe actuellement a donné au monde, bien sûr, le gouvernement mondial. Voilà. Et comme vous l'avez euh, entendu hier, euh, vous l'avez compris hier, vous l'avez entendu si bien, euh, les États-Unis, bien sûr, sont gérés par des familles euh, royales euh, européennes. Parce qu'à la base, ce sont des Européens qui sont allés s'installer aux États-Unis, des Irlandais, des, des Anglais, tout ça, des Français. Donc on voit bien que les États-Unis, en fait, ce sont les Européens qui gèrent. Voilà, qui, qui les gèrent. Donc ça, il ne faut jamais l'oublier. Donc les, les Européens également ont colonisé le monde. Hein, ils ont colonisé euh, l'Océanie. Ils ont colonisé beaucoup de pays asiatiques. Ils ont colonisé euh, l'Afrique. Il ne faut jamais l'oublier. Donc c'est un continent qui. Dirige le monde au jour d'aujourd'hui. Et euh, donc, on voit bien que les temps des nations, c'est un temps pendant lequel euh, Dieu, n'est-ce pas, a laissé les nations euh, faire ce qu'elles veulent. En gros. Pour qu'elles apprennent, qu'elles sachent que sans Dieu, elles ne peuvent rien faire de concret. En fait, nous sommes dans Genèse 11. C'est la construction de la tour de Babel. Et c'est la même chose. L'histoire se répète. Ça, vous le savez. Et nous sommes justement dans un temps critique. Actuellement, nous sommes en 2016 et nous voyons que le monde est bousculé par toutes sortes de crises. Le Seigneur avait annoncé un certain nombre d'événements qui allaient avoir lieu. Et rappelez-vous bien que les temps des nations vont s'achever avec cette grande guerre. Que nous a, que, 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 dont, dont parlent les Écritures, c'est-à-dire la guerre d'Armageddon. Ça va être une guerre terrible, terrible, qui va impliquer les nations. Et le Seigneur dit que Jérusalem allait être investie par des armées. Dans le passé, cela a eu lieu, avec euh, notamment euh, en l'an 162, c'est-à-dire au deuxième siècle avant Jésus-Christ, en l'an 162. Donc, 165, 162, avec Antiochus épiphane qui est arrivé à, à, à Jérusalem. Ce roi euh, gréco-macédonien, il est arrivé à Jérusalem à cette époque. Il avait interdit, n'est-ce pas, nous sommes au deuxième siècle avant Jésus-Christ, il avait interdit la pratique euh, de la, du judaïsme, il avait interdit la lecture de la Torah, il avait interdit la circoncision aux juifs, et il a destitué à l'époque le grand prêtre qui était fidèle à la parole de Dieu, à la Torah, il, a, il avait remplacé par un prêtre, un grand prêtre qu'il qu contrôlait, un impie. Et, et, et les femmes juives qui refusaient de se soumettre à ce roi, qui était un, un, un roi impie, elles étaient brûlées vives avec leurs enfants attachés à leur cou. Donc Jérusalem, à cette époque, au deuxième siècle avant Yeshua, était déjà investie par des armées. Et le Seigneur nous dit que cela va se reproduire. Car le lieu saint sera souillé de nouveau, comme il a dit dans Matthieu 24, lorsque vous verrez, disait-il, euh, euh, l'abomination de la désolation dont a parlé de Daniel le prophète s'établir dans le lieu saint, que celui qui lit ce prophète fasse attention. Donc on voit bien que et le Seigneur avait prédit que Jérusalem serait de nouveau, sera de nouveau euh, 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 le théâtre d'une euh, grande guerre. Et euh, Joël 2, Joël 3. Notamment, Joël 3 nous dit que eh, ben, Jérusalem sera coupée en deux, séparée. Il y aura, effectivement, pour votre information, euh, 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 deux Jérusalem. Et, euh, il y aura, euh, bien sûr, le, la Jérusalem Est, qui sera, bien sûr, la capitale de l'État palestinien. Et l'autre partie, ce sera la capitale de l'État hébreu. Et Joël 3 nous dit que je, Dieu, quand il va revenir, il va juger les nations parce qu'elles auraient séparé son pays en deux. Et de nouveau, on nous dit qu'il y aura des Juifs qui vont partir de nouveau de, de, de Jérusalem pour s'exiler dans les nations. Et Yeshua dira que celui qui sera, n'est-ce pas, en Judée, fuit dans les montagnes. Or, les Écritures nous disent que les montagnes représentent les, des royaumes. Donc, de nouveau, il va y avoir, n'est-ce pas, un exil vers les nations. Et il y a eu aussi un autre siège à part celui de... Euh, au deuxième siècle, avec Antiochus Epiphane, le siège de Jérusalem, il va y avoir un, un autre siège en l'an 70 après Jésus-Christ, avec Titus, qui arrive, ce général, fils du roi de, de l'empereur Vespasien. Il arrive, n'est-ce pas, euh, il arrive à Jérusalem avec une grande armée. Il va assiéger la ville et un soldat romain par mégarde va faire tomber sa torche sur le rideau du temple et le temple va être incendié. Confirma la prophétie de Josué qui disait qu'il ne restera pas pierre sur pierre, qu'il ne soit démoli. Effectivement, comme il y avait de l'or sur la façade du temple, avec le feu, l'or a commencé à couler, à sointer et les soldats romains, pour récupérer ce métal, eh bien, ils ont démonté le temple pierre par pierre pour récupérer l'or. Et si vous enlevez le temple aux Juifs, eh bien, ils n'ont plus de raison d'être, d'exister, parce que le temple était l'épicentre du judaïsme. C'est ce qui les cimentait. Le temple était le centre de toutes choses. Ils venaient de plusieurs régions pour se retrouver là pendant les trois fêtes du pèlerinage la, 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 la fête de Pâques, Pâques Prémisse, Pentecôte et Tabernacle. Alors là, il n'y avait plus de temple. Il va y avoir un autre siège. Nous sommes au deuxième siècle avec Bar Kokba, un Juif qui était euh, euh, comment dire, établi par euh, ses confrères, par d'autres Juifs comme étant reconnu comme étant le Messie, mais en fait c'était pas lui. Et il va se lever contre Adrien, l'empereur romain, et Adrien avec une grande armée va détruire Bar Kokba et va raser Jérusalem et va la rebaptiser Aelia Capitolina, hein, la ville euh, de Zeus. Ça et Jérusalem ne va plus porter la, le nom de Jérusalem pendant plusieurs plusieurs euh, plusieurs années. Et mes amis, voilà comment, euh, au deuxième siècle après Jésus-Christ, avec Adrien l'empereur romain, Jérusalem sera rasée, les Juifs seront interdits d'accès à Jérusalem, chassés de la ville, confirmant ainsi la prophétie d'Osée 4 qui disait que les enfants d'Israël allaient rester pendant des années sans roi, sans teraphim, sans. Euh, 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 Zéphod, sans culte, en gros. Et là, mes amis, euh, euh, c'est terrible de voir que pendant les temps des nations, il eh ben, y a des guerres, il y a de l'injustice. Pendant les temps des nations, il y a des lois antichristes qui sont votées. Pendant les temps des nations, les vrais chrétiens ne seront pas acclamés. Les vrais chrétiens sont persécutés. Il faut jamais l'oublier. Le Seigneur a dit si on m'a aimé, on vous aimera. Car pendant ce temps de nation là dans lequel nous sommes, eh ben nous les enfants de Dieu nous sommes étrangers et voyageurs. Voyez, notre cité est là-haut. Donc nous sommes rejetés, traités de sorciers, de gourous, de faux prophètes, de, de, de mendiants. Euh, de, on va inventer toutes sortes d'histoires pour accuser faussement les vrais chrétiens, les vrais enfants de Dieu. Il faut jamais oublier cela. Jamais vous ne verrez un vrai chrétien être acclamé. Jamais vous ne verrez un vrai prophète être acclamé. Les vrais, les vrais sont toujours rejetés parce que ce n'est pas notre âge, ce n'est pas notre temps, littéralement. L'âge, ici, c'est le temps, c'est le siècle, notre monde. Voyez, nous sommes de passage. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons discerner le temps dans lequel nous sommes. Le Seigneur n'a jamais dit qu'on allait être acclamé. Il n'a jamais dit qu'on allait être reconnu comme des vrais. C'est faux. Le monde va nous haïr. Le monde va nous rejeter. Les gens vont nous... La religion babylonienne va persécuter. Les, les vrais chrétiens, comme Étienne qui a été lapidé, comme Jésus notre Maître a été crucifié par les religieux, se servant ainsi, n'est-ce pas, de la Babylone politique, c'est-à-dire des autorités romaines, des païens, pour exécuter quelqu'un qui, n'est-ce pas, dont la vie était euh, sainte, dont le, le, la, la, le ministère, le service dérangeait leurs activités, leurs affaires. Voilà. Donc pendant les temps de nation, il y a toutes sortes d'atrocités. Qui sont commises. Avortement, meurtre, pédophilie, péché sexuel, dépravation des mœurs, tout ça, des lois antichristes. Ça, Dieu, n'est pas que Dieu reste indifférent, pas du tout. Il a, étant donné qu'il est Dieu, il a laissé aux nations un temps. Et comme je vous le disais, Apocalypse nous dit que Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Et c'est exactement ce qui va de nouveau se passer. Ça s'est passé hier dans le passé. Ça s'est passé dans le passé, pardon. Cela a eu lieu dans le passé et ça va se reproduire euh, dans les prochains jours. Et on nous dit qu'il euh, 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 y a un temps que Dieu euh, 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 appelle la grande tribulation. C'est une période bien définie. Selon Jérémie 37, c'est un temps d'angoisse pour Jacob, pour Israël et non pour l'Église. C'est un temps de souffrance particulier pour, euh, euh, un temps particulier de souffrance pour Israël. Et Yeshua disait qu'il fallait que les Hébreux, les Juifs prient pour ne pas que ce jour tombe un jour de sabbat. Parce que pendant le sabbat, les Juifs ne devaient pas faire plus de, n'est-ce pas, 2000 coudées, c'est-à-dire entre 1000 et 1200 euh, euh, mètres. Et euh, voyez, mes amis, c'est terrible de voir à quel point, mes amis, ce peuple va souffrir, les Hébreux aussi, les Juifs, pendant la grande tribulation. Donc c'est une période qui va durer trois ans et demi ou encore 42 mois, 1260 jours précisément. Et là, l'armée de l'antéchrist, l'armée de l'antéchrist, n'est-ce pas, euh, va attaquer Jérusalem, va, euh, n'est-ce pas, diviser en deux ce, ce pays, cette ville, la ville de Jérusalem, va fouler au pied la ville et beaucoup de jeunes juifs seront, euh, n'est-ce pas, euh, tués des femmes violées. Et Zacharie 14 nous dit que la moitié de la ville ira en captivité de nouveau. Donc il y aura même si les juifs, même s'il y a beaucoup de juifs qui font leur aléa, c'est-à-dire le retour en Israël présentement, comme notamment des juifs français qui rentrent de plus en plus en Israël, mais il y aura d'après la prophétie biblique un autre exil. Déjà en l'an 70 après Yeshua, beaucoup de juifs s'étaient retrouvés dans le monde entier. C'est pour cela qu'on a des juifs euh, qui sont français, allemands, qui sont africains, qui sont euh, 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 japonais, qui, sont, qui viennent de partout. Mais pendant la grande tribulation, eh ben, de nouveau, euh, la moitié de la ville ira en captivité. Il y aura de nouveau un exil mondial. Ça va être terrible. Et pendant les temps de la nation, et bien comme je vous l'ai dit, les vrais croyants seront persécutés. Il y aura de plus en plus de problèmes, de plus en plus de troubles, des crises économiques, de plus en plus de tensions, n'est ce pas? Et on le voit aujourd'hui. On le voit. Le monde livre une, une bataille. Actuellement, nous sommes il y a une guerre qui se, qui, qui, qui se déroule sous nos yeux avec l'État isla islamique. Les nations combattent cette, cette, cet État. Voyez donc on voit une nation se levera contre notre nation. Donc on voit que c est, c est le terrorisme aujourd'hui tétanise beaucoup de personnes. Le terrorisme frappe même les pays africains qui ne l'étaient pas jusqu'à nos jours. et C'est grave. On voit bien que, à part ces, ces guerres, il y a des famines, il y a des troubles, il y a des, des, des divorces, il euh, y a des, des, des maladies qui frappent de plus en plus de gens. Des, 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 des cas de maladies qu'on ne soupçonnait pas hier. Et aujourd'hui, on le voit. Il y a eu une croissance exponentielle des, des, des maladies telles que le cancer, euh, telles que le sida. Euh, tout ça, on a vu tout récemment comment Ebola avait frappé des milliers de personnes euh, en Afrique. Et on voit actuellement avec ce virus-là, Zika je crois, qui frappe beaucoup de femmes enceintes. J'ai pu voir cet après c est, c est, c est, euh, lors du journal de 13h aujourd'hui, euh, des enfants qui sont nés avec des malformations physiques. Des enfants avec des petites têtes. C'est la fin, c'est la confusion. Le monde est frappé. Regardez vous-même ce qui se passe. On va voir quelques images mes amis et, euh, de ce qui se passe pour que vous compreniez que l'heure ne plus à la distraction. Yeshua revient, on n'a plus le temps pour la distraction. On n'a plus le temps. Vous voyez et, 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 et je crois que l'Église va être enlevée bientôt, mais plus tôt qu'on ne le pense, parce que nous sommes presque en train d'arriver au temps de la grande tribulation. C'est-à-dire, on voit que, mes amis, les vrais chrétiens sont de plus en plus persécutés, Israël est de plus en plus persécuté, les vrais juifs sont persécutés. Donc on sent qu'il y a une... Voilà, cette guerre-là qui, qui, qui prend de l'ampleur, ces tensions qui prennent de l'ampleur dans le monde, et on sent que, mes amis, euh, on n'est pas loin du de, 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 de retour de Yeshua par rapport à l'Église, bien sûr, les noces. Hein, C'est pour cela qu'on doit davantage se sanctifier. Donc, on va d'abord voir et euh, ce qui se passe au niveau de guerre. Hein. Voilà. Je ne sais pas si on n'a pas, si pas de vidéo. Donc, on va pouvoir nous mettre quelques vidéos rapidement et euh, que vous preniez davantage conscience hein, de ce qui se passe. Et euh, on est vraiment à la fin, donc il ne faut vraiment pas perdre du temps euh, dans les histoires, dans les cancans, dans les querelles. On n'a plus le temps, on n'a plus le temps, mes amis. Voilà, donc vous avez euh, cette image. Euh, C'est la guerre actuellement dans l'Est, euh, la guerre qui se déroule actuellement dans l'Est de la RDC, donc on va déjà y aller avec l'image. Hein. Donc, euh, et euh, vous savez que depuis euh, et, euh, que cette guerre a commencé, il y a près de 10 millions de morts, des femmes violées, des enfants égorgés, n'est-ce pas Et euh, une guerre, bien sûr, euh, euh, fomentée par des lobbies euh, et euh, tout ça qui sèment le trouble là-bas dans le seul but de récupérer des minéraux. Ils ont plutôt intérêt, ce lobby, à ce qu'il y ait du trouble là-bas pour pouvoir piller, hein, piller parce qu'il y a beaucoup d'or, il y a beaucoup de diamants là-bas, il y a le co co cobalt. Il y a beaucoup, beaucoup de richesses, beaucoup de minéraux. Donc on sème le chaos, bien sûr, pour euh, pouvoir euh, récolter, amasser. Et euh, voilà. Et entre temps, c'est des jeunes qui sont, c'est des familles qui sont détruites, c'est des, 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 des femmes qui sont violées et euh, c'est des enfants qui sont, des, des enfants de six mois, hein, de trois mois qui sont violés en permanence. Vous vous rendez compte des bébés. Voilà. Donc, euh, je ne sais pas si on n'a pas les images là. Voilà. Donc, euh, c'est horrible. Donc, quand on voit la manière dont les nations euh, gèrent les choses, nous comprenons que euh, nous avons, nous chrétiens, intérêt à prier pour que le Seigneur revienne rapidement et euh, établir son gouvernement, euh, bien sûr, sur Terre. Et euh, donc, notre espérance, notre espoir, bien sûr, est euh, en Yeshua. Alors, je ne sais pas si l'équipe a un problème. Voilà. Donc, euh, je pense que vous voyez les images hein, sur votre écran des troubles qui se déroulent actuellement dans l'Est. Les combats se sont poursuivis dans le Nira Gongo, selon le commandement des FARDC que nous avons rencontré à Kanyarutinya, localité située à une dizaine de kilomètres au nord de Goma. L'objectif des FARDC aujourd'hui est d'évacuer les éléments du M23 qui constituent encore des poches de résistance. Les localités conquises par les forces loyales sont juste après contrôlées par les éléments de la police nationale congolaise. Selon elle, une centaine de déserteurs du M23 ont abandonné armes, et munitions et fui. Les bombardements vers Kabouanga à la frontière rwando congolaise tout en sollicitant les concours de la population le chargé des opérations de la PNC Nord Kivu invite celle-ci au calme colonel Henri le seigneur avait prédit des guerres et ça fait mal de voir des, 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 des gens et, euh, qui étaient tranquilles chez eux et qui se retrouvent bombardés, qui se retrouvent violés, tout simplement parce qu'il y a des minéraux à récupérer, parce que leurs maisons sont construites sur des terrains qui euh, contiennent beaucoup de richesses et euh, ils vont être expropriés et euh, dépossédés de leurs héritages, de leurs terrains, de leurs maisons, et euh, violés, tués, égorgés. Voilà. Donc. Euh, et euh, on va montrer d'autres images, les amis, si on peut se dépêcher à chaque fois. Des guerres. Ouais, les vidéos. C'est pas grave, je vais, on va. Voilà. Donc euh... d'autres images. Là, c'est la Centrafrique. Voilà, donc euh, ça, vous en avez largement euh, suivi, euh, entendu parler, pardon, vous en avez euh, vous avez suivi, euh, je pense, les médias, suivi les informations pour euh, voir ce qui se passe un peu là-bas. Regardez toutes ces personnes euh, voilà, égorgées, tuées, toutes ces populations, ces familles déplacées, et euh, à cause de guerre, tout ça pourquoi Parce qu'il y a aussi beaucoup de pétrole, beaucoup de diamants là-bas. Donc euh, ce sont des déplacés, hein, euh, voilà. Donc ça c'est des réalités, n'est ce pas, auxquelles notre monde, notre génération est et, euh, et euh, notre monde est soumis. Et euh, donc euh, le Seigneur avait prédit ces choses et on voit ces tensions prendre de l'ampleur de plus en plus, hein, de plus en plus de guerres, de troubles. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est ce sont les temps des nations. Voilà. Et elles ont du mal à gérer le monde. Elles ont du mal. C'est pour cela que nous, l'Église, nous n'avons pas la mission de faire de la politique, bien sûr. C'est simplement euh, nous sommes appelés à prier pour les autorités et aussi à nous préparer pour le retour de Yeshua. Voilà, donc on va pouvoir mettre le combat là. Euh, voilà, parfait. Ah, vous avez déjà mis. Donc, euh, donc, on va montrer un peu les explosions, tout ça, ce qui se passe avec les bombes, tout ça, et voir un peu dans quel monde, pour que les gens voient, réalisent dans quel monde nous sommes. Pour qu'on arrête un peu avec la distraction, qu'on se prépare pour le retour du machin hein, et témoigner l'amour du Seigneur auprès des, auprès des uns des autres. Voilà. Donc, c'est plein, plein de troubles, plein de euh, tensions. Et euh, mes amis, je crois vraiment que le Seigneur ne peut que revenir parce que la terre va mal. Tout est bousculé, tout est secoué. Hein? C'est des obus qui tombent du ciel et euh, c'est des vies qui sont détruites. Et euh, voilà. Vous savez, quand on n'a jamais expérimenté, quand on n'a jamais été euh, confronté à la guerre, on peut pas ne pas, on peut pas comprendre ce que vivent ces populations qui sont en permanence, euh, comment dire, euh, déplacés et euh, euh, qui sont bien sûr confrontés à des souffrances euh, telles que la perte des êtres chers, hein, des, des enfants qui sont qui, qui, qui sont égorgés. On ne peut pas comprendre leurs souffrances et, euh, et ça c'est des choses dont euh, les Écritures euh, parlent. Par exemple en Ukraine, vous avez suivi un peu euh, c'est-à-dire aux portes n'est-ce hein, pas de l'Europe hein, et euh, c'est pas en Afrique, ça c'est en Europe. Vous avez suivi les informations bien sûr entre euh, la Russie et euh, la Russie euh, euh, d'un côté et l'Ukraine et les nations européennes de l'autre. Euh, vous avez pu voir, donc je ne sais pas, on n'a pas l'image, voilà, ce que se passe. Hein? Donc euh, le chaos. Et c'est dans notre génération tout ça. Ce n'est pas en Afrique, ce n'est pas en Asie, ce n'est pas en Amérique latine. C'est aux portes, n'est-ce pas, de l'Europe. Et euh, des troubles, des tensions. Et on sent que partout ça explose, partout ça dégénère. Et euh, le Seigneur avait prédit ces choses pendant les temps de nations. Vous voyez, et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Bien sûr, ça va euh, se dégrader de plus en plus. Et euh, de troubles, de soulèvements, La, le Seigneur en a parlé. Et euh, tout ça pour nous montrer que, bien sûr, l'homme a échoué dans sa gouvernance. Et l'homme ne peut pas gouverner sans Dieu. Et qu'on a besoin justement, n'est-ce pas? De, du royaume théocratique et euh, messianique et euh, bien sûr, qui sera établi, euh, qui est déjà établi dans, les, dans nos cœurs et qui euh, sera établi sur Terre pendant mille ans. Voilà, donc euh, on va voir au niveau des famines, et, euh, ce qu'il ce, ce qu y a, comment les gens souffrent. Et euh, ça, le Seigneur a dit qu'il y allait y avoir des famines, effectivement. Et euh, je tenais à vous rappeler que selon euh, euh, une organisation de l'ONU, il y aurait sur Terre près de 795 millions de pauvres, des gens qui sont, euh, n'est-ce pas, sous-alimentés, euh, qui sont, euh, euh, voilà, qui, qui sont exposés à la famine. Et l'une des raisons de cette euh, crise, n'est-ce pas, alimentaire et de cette pauvreté justement, c'est l'instabilité politique hein, dans beaucoup, beaucoup de pays. Comme dans beaucoup de pays africains, dans beaucoup de pays, euh, notamment euh, au Moyen-Orient, tout ça, en Asie. Et il euh, y a aussi, bien sûr, euh, des troubles ethniques, hein, donc euh, tout ça. Et euh, donc, du coup, il y a des déplacements des populations. Et, et, et alors qu'avec toute la richesse que Dieu a donnée aux hommes, toutes les, les, les belles choses que Dieu nous a données, hein, des terres qui sont fertiles, euh, avec euh, et, euh, la force qu'il nous donne, pouvions n'est-ce pas euh, nous nourrir convenablement toute la terre pouvait être nourrie convenablement si l'homme était bien sûr si l'homme avait un cœur intègre un cœur euh, juste si l'homme avait compris ce que c'est la notion de partage de la justice mais malheureusement euh, ce n'est pas le cas vous voyez des terres qui, sont, euh, qui connaissent des pays qui connaissent la sécheresse et regardez l'état de cette vache Hein, la maigreur de cette vache Pour vous montrer à quel point la terre va mal Donc il y a vraiment des problèmes partout Et euh, partout Donc euh, là, pareil, la pauvreté Guerre, déplacement Et euh, problèmes D'alimentation euh, hein, Donc euh, insécurité alimentaire Et euh, regardez la santé même de ces enfants On va voir encore d'autres images Et euh, Tout ça c'est Pendant, n'est-ce pas, le temps Des nations Il y a eu une injustice et mes amis, euh, criantes. Donc, euh, C'est pour cela que nous devons nous préparer, nous chrétiens, et aussi euh, nous préparer pour le retour du Mashiach et aussi annoncer aux uns aux autres que revient. Nous ne connaissons pas ce, son jour, le jour où il va revenir, mais nous savons simplement avec les éléments qu'il nous a laissés, hein, les signes qu'il nous a donnés, c'est-à-dire les guerres, les tremblements de terre, euh, tout ça, on, on sait qu'il n'est plus loin. Et euh, là, on voit, par exemple, ici, on nous parle des scènes de désolation au Népal. Qui était frappé par un tremblement de terre. Vous vous rappelez, c'était en, en avril 2015. Voilà, c'était le chaos total, total. Tout un pays bouleversé. Plusieurs personnes étaient, -ce pas, avaient disparu. Et euh, il y a eu plusieurs victimes, plusieurs décès. Et euh, voilà, on voit que c'est vraiment. Il y a eu une croissance exponentielle de de, 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 de problèmes climatiques. Hein, donc tout ce qui est tremblement de terre, tsunami et euh, Comment euh, tornade et, euh, on sent que la terre est fatiguée que la terre n'est-ce pas veut connaître aussi euh, sa rédemption et euh, être la, la terre demande à être renouvelée voilà on sent que là c'est vraiment la confusion c'est la fin Yeshua revient voilà donc euh, mes amis, euh, voyez l'importance d'être toujours prêts parce que ces hommes qui sont décédés ici, ces personnes qui étaient décédées, qui, sont, qui ont été les victimes de, cette, euh, de ce tremblement de terre, ne savaient pas qu'elles avaient rendez-vous avec la mort. Voyez Donc c'est pour cela que nous avons intérêt à nous préparer, à ne pas être dans la distraction et pas suivre les gens qui veulent nous distraire, qui sont mandatés par l'ennemi et qui veulent vous, n'est-ce pas, perdre votre temps dans les cancans, dans les histoires, parce que c'est leur... Euh, Malheureusement, c'est leur, euh, voilà, leur mission. Voilà. Donc, euh, et, euh, vous avez compris que les temps des nations ont commencé avec, bien sûr, la captivité euh, babylonienne. Et euh, bien sûr, bien avant, il y, avait, il y avait aussi des troubles. Mais là, on sent que dans notre génération, là, il y a eu une croissance. Hein, donc euh, depuis, euh, depuis, bien sûr, euh, que l'homme a chuté, on sent que la terre, euh, mes amis, euh, le mal qu'on une croissance sans, nest pas, précédent. Et euh, voilà, donc c'est vraiment la fin. Voilà, donc je ne sais pas au niveau des maladies, on va pouvoir euh, voir un peu les statistiques euh, des victimes euh, du paludisme, par exemple, dans le monde. Et euh, voilà. Donc selon l'OMS, pas moins de 15 millions de décès sont dus au cancer dans le monde chaque année, soit presque un décès toutes les deux secondes. Vous vous rendez compte Dans le monde, toutes les deux secondes, une personne décède d'un cancer. Si rien n'est fait, le cancer tuera 80 millions de personnes entre 2005 et 2015 et tuerait 19 millions de personnes par an en 2025. Le cancer est un fléau. Ça, vous le savez. Et c'est terrible de voir à quel point le monde est frappé. Et euh, voilà, c'est terrible. Et face à ces maladies, l'homme est impuissant, hein, pratiquement impuissant. Et euh, donc, euh, au niveau euh, des viols, par exemple, vous voyez, donc Paul dit que les hommes seront méchants hein. au niveau des viols, les viols dans le monde. Donc, on va voir les statistiques. Euh. Donc, il se commet 903 viols par jour. 903 viols par jour dans le monde. Soit, n'est-ce pas, 000, euh, 300 000, 20, 329 708 viols chaque année dans le monde. Bien sûr, ce sont les viols déclarés. Et nous pensons qu'il y en a plus que ça. Vous vous rendez compte? Donc, dont 900 95 136 aux États-Unis et 52 425 en Afrique du Sud et 24 350 au Canada. C'est énorme depuis que nous sommes connectés. Vous vous rendez compte, mes amis Donc, depuis que nous sommes connectés, il y a déjà au moins un viol. C'est quand même assez impressionnant. Et euh, vous voyez l'état hein, des gens. Des gens de notre génération, des hommes de notre génération. Et euh, un viol est déclaré toutes les 40 minutes en France. Toutes les 40 minutes en France, un viol est déclaré. Et les Écritures nous disent que les hommes seront méchants. Les hommes seront, mes amis, euh, euh, fanfarons. Et euh, c'est quand même assez impressionnant. On va voir les cas de divorce. si c'est possible, les statistiques. En France, chaque jour, ce sont 334 divorces qui sont prononcés, soit 121 849 divorces par an en 2013. Dans trois cas sur quatre, le demandeur du divorce est la femme. Voilà. Donc sur quatre divorces, trois sont... Euh, n'est-ce pas, prononcé à cause de, de femmes qui euh, qui ont fait la demande, certainement parce que aussi beaucoup parmi ces femmes sont battues, comme vous le savez. Voilà. Alors, les enfants soldats, dans le monde, n'est-ce pas, pays dans lesquels les enfants et les adolescents de moins de 18 ans combattent en tant que soldats dans des conflits armés, environ 250 000 dans le monde, c'est énorme. C'est énorme. Et parmi ces pays là, vous avez la République démocratique du Congo, dans l'est de la République du Congo, vous avez vu, n'est-ce pas? Il y a près de 10 millions, hein, il y a eu près de 10 millions de morts hein, depuis euh, euh, bientôt euh, voilà, euh, depuis moins de 15 ans là. Et vous avez la Centrafrique avec les troubles que connaît ce pays actuellement. Vous avez la Somalie, bien sûr, depuis des années, l'Ouganda, hein, le Burundi. Vous avez le Tchad, vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez euh, Israël et euh, les zones palestiniennes, il y a l'Irak, il y a l'Afghanistan, il y a le Népal jusqu'en 2005 ou 2008, il y a l'Inde, il y a la Thaïlande, il y a la Birmanie, la, les Philippines, l'Indonésie, l'Indonésie, il y a le Sri Lanka, et euh, voilà, donc toutes ces nations. Mes amis euh, connaissent des troubles et beaucoup beaucoup d'enfants. Je ne sais pas quel âge, quel âge ont vos enfants. Mais beaucoup d'enfants sont à, à, obligés euh, d'aller combattre. Voilà et euh, vente d'armes dans le monde. Vous voyez bien que c'est le temps de nations, c'est vraiment le temps de confusion. Et, euh, donc euh, voilà, on va descendre un peu pour À ce jour, la France est le deuxième exportateur mondial d'armement en 2015. Donc voilà. Donc c'est là, bien sûr, de plus en plus d'armes sophistiquées qui sont vendues. Donc forcément, il faut des utilisateurs. Il faut bien sûr des cibles. Donc euh, et c'est les avortements. Voilà. Chaque seconde, ce sont près de neuf avortements ou IVG. Qui sont pratiqués dans le monde, soit 43 800 000 lions, 43 800 000 d'interruptions volontaires de grossesse dans le monde chaque année. 43 800 000, n'est-ce pas, d'enfants qui sont tués. Dieu dit Tu ne tueras pas. Voilà. Donc, euh, et depuis que nous sommes connectés, pardon, on va voir, depuis que nous sommes connectés, depuis que vous êtes connecté, il y a, vous voyez, le chiffre qui se, hein, on va avec le curseur, David, de nous montrer un peu la vitesse à laquelle le, 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 le chiffre augmente. Depuis que nous sommes connectés, regardez vous-même le nombre d'avortements de, de, commis dans le monde. C'est quand même assez impressionnant. Depuis que nous sommes connectés là, là. C'est-à-dire depuis moins de euh, 15 secondes, là, parce qu'on a remis ça, on, a, on est revenu en arrière. Donc, vous voyez, imaginez un peu, dans quel état le monde se trouve. Vous voyez l'importance, mes amis, de nous sanctifier, d'annoncer rapidement au monde le retour de Yeshua. L'importance de ne pas se focaliser sur nos problèmes personnels. L'importance de ne pas perdre notre temps dans les cancans sur Internet. Un tel a dit, tel a dit, allez voir telle vidéo, on a dit telle chose. On n'a pas le temps dans tout ça là. Sortez de toutes ces choses, frères. Sortez de toutes ces choses là. Arrêtons avec la distraction. Avançons, Yeshua revient. Les catastrophes naturelles ont causé plus de 10 milliards d'euros de dommages en 2013. Donc, 100 millions, pardon, excusez-moi. Les catastrophes naturelles ont causé plus de 100 milliards d'euros de dommages en 2013. Les dommages ont été principalement, n'est-ce pas, et, euh, et bien sûr, euh, et euh, économiques. Hein euh, donc, c'est quand même impressionnant. C est, c est, c est... Voilà. Donc, on voit que et euh, c'est la fin. C'est la fin. Il y a des catastrophes partout. Regardez, catastrophes en chaîne, séries noires, naturelles ou dérèglements climatiques. Même des scientifiques se posent la question. Voilà. Donc, euh, voilà. Regardez ce qui se passe. C'est impressionnant. Des pluies diluviennes, des vagues de chaleur interminables, des tornades à répétition. Le temps, depuis peu, a changé. Quelles sont les causes de ces catastrophes à répétition? Voilà, donc euh, euh, c'est impressionnant. Voilà, le monde va mal. Partout, ça pète. Partout. Partout. Sur le plan moral, c'est la dépravation. Sur le plan climatique, c'est le dérèglement. C'est la confusion. Sur le plan familial, c'est le chaos avec toutes ces divorces. Donc, c'est la confusion, c'est la fin. C'est la fin, mes amis. Préparons-nous pour le retour du Mashiach. Préparons-nous pour le retour du Mashiach. Regardez, avec euh, la catastrophe nucléaire de Fuji, euh, euh, Fukushima, vous avez, vous avez suivi les informations, hein, et, et le tsunami au Japon en 2011, et euh, tout ça. Donc, et, euh, avec toutes ces vagues migratoires, des milliers de personnes qui meurent dans les eaux, les grandes eaux, Internationale parce qu'il parce qu'elle veut le regagner regagner pardon l'Europe parce qu'elle veut le regagner l'Europe et beaucoup d'embarcations de, d'embarcations c'est -ce pas chavirent et des familles entières qui sont dé, qui, qui sont décimées et qui essaient de fuir la guerre et voilà c'est c'est la confusion c'est la fin c'est la fin regardez-moi comment les eaux ont balayé mes amis cette digue au Japon regardez comment les véhicules sont euh, ballotés dans tout le sens des maisons rasées Hein, donc c'est impressionnant, la force des eaux. Impressionnant. Voilà. Tout ça nous montre que les temps des nations, mes amis, euh, arrivent presque à la fin. Et comme je vous l'ai dit, elles, euh, les temps des nations seront, mes amis, achevés, euh, seront couronnés hein, par, euh, bien sûr, la guerre d'Armageddon. Donc, euh, après la grande tribulation, bien sûr. Là, le, Yeshua, le Seigneur Yeshua va revenir avec l'Ecclésia pour mettre fin à toute cette zizanie, à toute cette confusion. Regardez la force des eaux ici. Regardez les véhicules, comme du papier. Regardez les routes, comment elles sont renversées, elles sont détruites, elles sont balayées. La nature, mes amis, euh, euh, Paul nous dit la création soupire dans Romains 8, hein, après la révélation des fils. Et des filles de Dieu. C'est impressionnant. Regardez ce bateau, regardez tout ça là, euh, tout ce que l'homme a créé, comment c'est balayé, comment euh, tout est cassé par la force des eaux. Hein, pour vous montrer, mes amis, qu'il se passe des choses. Le monde va mal. Vous me direz, mais oui, mais vous devenez fou, messieurs, qu'est-ce qui vous arrive Ça a toujours été comme ça. Laissez-moi vous dire, oui, mais hein, ça, ça, ça s'aggrave, même les scientifiques le disent. Hein. Donc la terre va mal. Et euh, on est vraiment. Dans des temps critiques, Dieu est en train de revenir. Chrétiens, nous voulons, nous voulions vous montrer ces images. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour nous montrer, c'est pour vous montrer que nous sommes arrivés à la fin. Yeshua est en train de revenir. Il est presque minuit dans l'horloge de Dieu. Nous devons nous préparer pour, n'est-ce pas, partir pour le départ, pour les noces. Comment faire pour se préparer? Il faut prier le Seigneur, il faut chercher Dieu, il faut méditer sa parole chaque jour. Il faut se sanctifier, il faut bénir ses ennemis, prier pour ceux qui nous persécutent. Il faut arrêter avec la distraction, il faut arrêter avec les cancans, les murmures, il faut se préparer pour le retour du Mashiach. Yeshua revient. Chrétiens, que Dieu nous garde. Cette année, nous allons beaucoup parler euh, du temps, euh, du temps de Dieu, des temps des nations. Nous allons beaucoup parler de la prophétie biblique pour, n'est-ce pas, nous sensibiliser. À, 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 par rapport à l'enlèvement, pour nous sensibiliser, mes amis, par rapport aux noces, que Dieu vous garde. Nous vous donnons rendez-vous euh, demain soir à partir de 20h pour euh, des questions-réponses. Euh, il y a au moins 20 Bibles à, 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 qui seront distribuées gratuitement donc pendant cette émission. Et puis, euh, ce samedi, nous sommes à Genève. Donc, les informations sont sur notre site, hein, nos TV de vie sur d'autres sites encore et euh, aussi. et puis ce dimanche on sera à Tours, que Dieu se souvienne de vous, que Dieu vous garde et sans oublier bien sûr Brazzaville euh, à partir du 10 février que Dieu soit béni mes amis, pensez à nous dans vos prières prions les uns pour les autres fermons les, les oreilles au, au dire des uns des autres avançons vers n'est-ce pas, Yeshua, notre maître que Dieu vous garde, à bientôt, au revoir